Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le Master Kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC, le Trône Sombre. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch très facile à réaliser, mais par contre il vous faudra le spécialiste camouflage plus le mode mobilisation. Parce que quand vous allez activer camouflage avec le mode mobilisation, vous allez avoir une vitesse de déplacement plus élevée. Et ça c'est très important pour faire le glitch, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors... ensuite, quand vous avez ce camouflage, quand donc vous avez votre spécialiste, il va falloir courir jusqu'ici, genre à peu près, sauter et atterrir genre ici. Donc vous allez être bloqué en haut et vous pourrez voyager de gauche à droite. Donc c'est tout simple, vous activez votre spécialiste, hop, et vous courez. Donc faites attention parce que vous avez une vitesse vraiment et des déplacements vraiment cheatés, c'est ouf comment vous êtes rapide. Donc vous allez devoir faire comme moi. Essayez plusieurs fois jusqu'à temps que vous restez bloqué, voilà, comme je viens de réussir. Donc ensuite, vous pouvez bouger de gauche à droite et vous pouvez faire pile-up les zombies en dessous de vous, donc en queutant comme ça. Donc voilà, essayez de pas avancer parce que sinon vous retombez, comme je viens de faire, là je suis tombé. Donc, hop, je retourne dans le glitch. Normalement, c'est pas très difficile d'y aller. Donc on va réessayer, voilà, vous avez vu, j'y suis arrivé en deux fois avec un double spécialiste. Donc voilà, c'est pas très difficile à y aller. Donc quand vous aurez compris comment faire, vous y arriverez assez souvent. Alors maintenant, je vais vous montrer que les zombies pilotent bien en dessous de moi et que je peux bien leur foutre des coups de pelle en illimité. Alors, par contre, il faudra être accroupi pour leur foutre des coups de pelle parce que debout, ça ne marche pas, sauf si vous prenez la batte et que vous faites des attaques à distance. Donc là, on va attendre que les zombies passent. Donc si vous voulez faire le glitch là, c'est possible. Mais quand vous allez faire un coup de pioche, donc regardez, quand je fais un coup de pioche, je ne le touche pas. Mais quand je m'accroupis, je peux le toucher. Donc si vous faites des coups de pioche en illimité, faites attention de ne pas tomber en avant. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit élastique ou un petit carton entre votre analogue de gauche pour que l'analogue aille toujours vers l'arrière pour pas que vous tombez sans faire exprès quand vous êtes dans glitch. Après, bah, vous activez votre strike pack, vous faites un rapid fire sur le coup de pioche. Comme ça, ça tape en illimité, vous n'avez rien à faire. Donc vous mettez juste un petit élastique pour que l'analogue de gauche soit vers l'arrière et c'est easy. Alors après ce glitch là, je vais vous présenter un out of map parce que de ce glitch là, on peut monter juste en haut là-haut. Donc je vais vous montrer. Alors pour monter en haut, il vous faudra soit des réanimations, donc des auto-réanimations, ou alors un quick revive. Ça fonctionne aussi avec un quick revive. Donc là, je vais vous montrer, il vous faudra aussi des grenades à fragmentation ou alors des grenades collantes. Mais il vous faudra 5 grenades collantes pour vous tuer si vous, bien sûr, vous n'avez pas de shield. Et moi j'ai du shield, donc il m'en faudrait genre 6, 7, 8, 9. Tu vois. Donc voilà. Alors là maintenant, je vais tout simplement me tuer. Et vous allez voir, quand je vais me réanimer, je vais tout simplement spawn en haut. Donc hop, vous prenez votre grenade à fragmentation pour vous tuer. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Donc je pense que c'est parce que je suis contre la paroi. Donc bien sûr, vous aurez compris qu'il ne faut pas ouvrir cette porte-là du musée, hein, sinon vous ne pouvez pas faire le glitch. Donc pour aller en haut, je pense qu'il faut sauter ici. Donc il faut que je... Non, j'ai pas réussi à monter. Donc petite information supplémentaire, s'il y a des bombes, des zombie bombers qui arrivent, c'est possible qu'ils vous touchent. Donc ce que je vous conseille de rajouter comme mode, c'est tout simplement le mode survivaliste qui vous rendra un point de shield à chaque fois que vous activez votre camouflage. Donc ça vous permettra de récupérer de la vie au cas où il y aurait des zombie bombers qui vous toucheront. Normalement les vuslings et tout ça ne vous toucheront pas. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez vous mettre à plusieurs dans le glitch, peut-être 3 personnes maximum, je pense pas que 4 ça passe. Mais il faudra juste décaler sur la droite pour que les autres puissent venir sur la gauche. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer le wall breach. Enfin, le out of map, même si j'ai vraiment du mal à le faire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, il va falloir reculer. Genre, comme je suis en train de faire. Et sauter sur le petit rebord là. Alors, je sais pas si je vais y arriver du premier coup, mais on va tester. Non, j'ai raté.
faut vraiment sauter sur le petit rebord, donc ça va vraiment être très délicat. Donc le petit rebord là, pour que vous soyez, on va dire, quelques centimètres plus haut, pour que quand vous vous tuez, eh ben ça vous fait spawn directement à l'étage. Donc ce que je vous conseille avant d'essayer de faire le out of map, ben c'est de charger votre spécialiste quand vous êtes dans le glitch. Comme ça, si vous tombez, vous n'arrivez pas à sauter sur le petit rebord, et ben là, ben vous pourrez directement y retourner en utilisant votre camouflage. Donc là, vous pouvez remarquer que j'ai tapé le Brenner, il m'a couru après, il a essayé de me shooter, mais il n'a pas réussi, donc vous êtes vraiment invincible contre tous les zombies, sauf les zombies bombes. Donc je vous conseille aussi de laisser maximum un zombie, parce que sinon, ben, vous n'allez pas pouvoir sauter tranquillement, ils vont vous gêner quand vous allez essayer de sauter sur le petit rebord. Donc je réessaye une dernière fois parce que ça fait plus d'1 heure que je suis sur le glitch. Si j'y arrive pas, bah je vais vous mettre la vidéo de l'américain qui le fait et je vous demanderai bah, si vous y arrivez de m'expliquer un peu comment vous avez fait. Parce que là, on va tuer cet enfoiré là, pour pas qu'il me gêne. Hop, voilà. Et là, faut que je saute sur ce putain de rebord quoi. Non ! Putain ! Enfin bref, après, ben en fait, ça vous fait spawn en haut, donc juste ici. Et de là, vous pouvez passer à travers une porte qui se trouve juste là. Et quand vous passez à travers cette porte, tout cet endroit-là est transparent. Vous pouvez sauter sur une puits de fenêtre. Et puis ensuite, quand vous avez sauté sur la puits de fenêtre, et ben en fait, vous atterrissez dans la rue de l'autre côté. Donc juste ici, donc sur la puits de fenêtre, genre ici. Mais ce sera sur la deuxième. Et après, ben, vous avez juste à vous suicider avec une grenade et en vous réanimant avec une auto-réanimation, ça vous refait spawn de l'autre côté de la fenêtre et vous êtes en out of map. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous avoir montré la suite du glitch, mais j'ai pas réussi, ça fait 1 heure que je galère dessus et j'aimerais bien passer à d'autres tutos. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Je mettrai la source en description de ce glitch, donc si jamais vous voulez aller voir la suite, ben, je vous invite à aller voir la suite ben, chez cette chaîne anglaise. Par contre, il explique en anglais, donc si vous parlez pas anglais, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est surtout visuel, donc vous allez pouvoir le voir. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.